comportement de ouf. Le président qui m'a fait le président qui m'a fait signer, qui est la photo en Grèce, elle est exceptionnelle, ma photo en Grèce quand je signe. Maillot, tout ça, des gens, accueil de ouf. Ouais, Steven, équipe de France, il a joué avec eux, il a fait ci, ça, nana, tu vois. Frérot, président, il passe devant moi, même bonjour, il sait pas dire. Il te serre la main, sa tête, elle est tournée. Il reste une semaine, un truc comme ça. L'agent qui m'a fait venir. Ah, ben, j'ai fait venir le frérot Linel en Grèce. Il le sait. Il le sait. Et il m'appelle. Ouais, le président, il veut te voir, tout ça. Moi, je rigole. Parce que je sais où est-ce que ça va arriver, où ça va déboucher. Tu vois? Je fais le teubé. Pourquoi? Non, il veut que tu viennes. Il veut que tu viennes. Je dis, oh, ok, on y va. Je vais rencontrer l'agent. L'agent qui est censé être de mon côté commence à me dire, ouais, mais en plus, t'aurais pu jouer, tu voulais pas. Oui, je me rappelle. Et tu sais que quand j'y pense, Frérot. en fait, ouais, j'étais grave dans cette période-là aussi. Grave, on se Frérot. rappelait, tu vois, à ce moment-là. Frérot de dingue. Ouais, t'aurais pu jouer, t'as pas voulu. T'es sûr, c'est pas dans ta tête. Frérot, je suis obligé de me mettre devant les gens. Je veux me lever, tu vois. Je leur dis, tu vas comprendre. Je leur dis, regardez mes jambes. Dites-moi si mes jambes, c'est les mêmes. Frérot, j'avais cette T'avais jambe-là. une queue. Eh, de malade. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Quand je vais voir les docteurs, mais non, c'est dans ta tête. Mais non, regarde, tu vois pas. Frérot, j'ai plus. On a plus 12 ans. Déjà, même à 12 ans, tu vois. Si moi j'ai quelque chose dans ma tête, tu vas pas me le faire partir, tu vois. Et au final, je dis, écoute, on va pas parler 70 ans. On a signé un 6 mois plus 2. Exactement, Linel, c'est lui. On a signé un 6 mois plus 2. Ils veulent que je parte. C'est facile. Payez-moi. C'est tout. Oui, c'est normal. Frérot, on va dans le bureau. J'ai jamais vu des scènes comme ça, tu vois. Ça commence à me dire, à me supplier, à moitié pleurer. J'ai plus d'argent, Steven. S'il te plaît, résilie. Je peux pas te payer. T'es Un cher. président. Ouais. J'ai perdu tout mon argent. Je vais rentrer à l'intérieur parce qu'il fait un peu froid. J'ai perdu tout mon argent. Je dis président, je le regarde dans le blanc des yeux. Hein. Ce n'est pas mon problème. Ce Bien n'est pas sûr. mon problème. En plus, maintenant, Moi, tu je connais vous ton ai. Divo. C'est C'est chacun tout. son chacun, frère. Exactement. Je lui dis. Les clubs, ils vont pas te faire de. Ils vont, tu vois? Ouais. Ils vont pas te faire de Je lui cadeaux. dis. Ils Je vont pas te lui faire de cadeaux. dis exactement, tu as tout compris. Je lui dis, président, on va remettre les choses bien dans le contexte. Moi, quand je suis arrivé, j'avais demandé 6 mois. Ouais, mais non, mais par rapport à si, ça, c'est pour ça que, nana, j'ai dit, président, je vous avais demandé 6 mois, vous m'avez donné 2 ans et demi. On s'est maintenu. Vous ne voulez plus de moi pour des raisons que je ne trouve pas déjà normales, tu vois. Tout joueur a le droit d'être blessé, hein. J'ai pas choisi d'être blessé, tu vois. Ouais, mais t'as pas voulu, nanana. Eh, frérot, ça dure 10 minutes. Il comprend que je vais pas lâcher. Il me dit, ok, vas-y, tu peux partir. Je rentre. On fait nos affaires, on rentre sur Paris et tout. Tu connais, intelligence. On envoie des courriers en recommandé. Madame, elle écrit tous les courriers. On envoie tous les trucs pour avoir une date de reprise. Personne me répond. Personne ne me répond. Là, et tu sais, À quand il l'épreuve. reste, j'ai tout, frérot, j'ai tout, j'ai tout. Il y a des trucs, tu vois, quand tu pars d'un pays où ça se termine comme ça, tu sais que tu vas revenir, tu vois. Mais allez, tu as peut-être 6 semaines de vacances, un truc comme ça, tu vois. Tu sais, au début, tu penses pas à ça, tu penses juste à te ressourcer. J'ai travaillé comme un ouf cette année-là. Pas pris de vacances. Ma jambe, elle était dans un état, j'ai vu comment ça s'appelle? J'ai vu un ostéo de l'époque, il m'a dit, hey, si tu avais joué, tu T'es avais mort. tellement pas de muscles sur ta jambe, tu te serais fait le croisé, tu aurais pu tout faire. J'ai dit, mais je suis pas fou.
Et tu sais, même eux, ils me disaient des fois, je leur envoyais des photos, non, Steven, mais regarde, t'es un guerrier dans ta tête. Je disais, vous voyez pas ma jambe. Vous voyez pas ma jambe comme moi je la vois. Je ne peux pas faire un match de haut niveau, c'est pas possible. Frérot, je commence à dire, hey, je peux pas retourner en Grèce tout seul, c'est pas possible. Je peux pas retourner en Grèce tout seul. Je tourne dans mon quartier. Je vais voir les mecs de chez moi. Je leur dis, hey, les gars, j'aurais peut-être besoin de vous. Le Et 9-3, il ils me refuse disent, encore. non, Non, frérot. mais en fait, t'as senti. Frérot, y a des trucs, t'as pas le choix. Je dis, les gars, faut venir avec moi. Tu connais les refrains. Y a quoi, petit frère? Vas-y, pas de problème. J'explique la situation. Je dis, les gars, on va taper personne. Mais Faut faire peur. il faut qu'il voit que je suis tout seul. Tu vois? Frérot, c'est vraiment les refrains du Tchekar. Je les aime, tu vois. Frérot, je les ai prévenus il y a longtemps. Les jours, ils commencent à arriver. Bon, les gars, je vais prendre les billets d'avion. Envoyez-moi passeport, tout ça, nana. Gros, j'ai pas de passeport. Gros. Pourquoi ils sont comme ça? Frérot. Mais j'ai une carte d'identité, elle est périmée. Je dis, eh, les gars, laissez-moi tranquille. Eh, je dis, laissez-moi tranquille. Non, mais je pourrais voyager quand même, 3 mois, tout ça. Eh, laissez-moi tranquille. Dernière solution, frérot. J'appelle mon gars sûr, mon jumeau, Steve Pino, qui est là, qui se brise, qui me supplie de ne pas raconter cette histoire. Mais je suis obligé. Je suis obligé. Frérot. Je vais rentrer. C'est le bordel. Je peux pas rentrer tout seul, frérot. J'ai besoin de toi. Le frérot, il travaillait. Hein. Le frérot, il travaillait. Il me dit, frérot, je te laisse pas y aller tout seul. Je viens avec toi. Je dis, frérot, tu taffes tout ça, nanan. Un vrai taf, hein. Il dit, frérot, laisse tout ça, je gère. Le frérot, il vient. Je commence à le briefer. Je lui dis, frérot, c'est des fous. Tu vas avoir affaire à des fous. C'est un gars, il est jamais énervé. Toute sa vie, c'est rigolé. Ça veut dire, c'est clair. Steve et moi, on s'appelle. Il n'a même pas encore dit allô, t'es déjà en train de te taper une barre. Exactement ça, tu vois. Il me dit, vas-y frérot, t'inquiète, on les connaît, ceux-là, tout ça, nani, nana. J'ai dit, frérot, ne les sous-estime pas. Frérot, on arrive là-bas comme des ninjas, un trip de ouf, mais un trip de fou, hein. On arrive là-bas, on fait une location de voiture. On ne sait même pas pour combien de temps on fait la location, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va prendre pour résilier. On va chez moi. Le seul truc bien, c'est que j'avais une vraie baraque. On avait la piscine. On arrive, il me dit, oh frérot, lourd, tout ça. Je dis, ouais, mais frérot, on n'est pas venu pour ça, là. Grand salam. Grand salam à mon coach Karim Le Canelé qui vient de revenir, qui vient d'arriver dans la vidéo. Un grand salam. Ouais. Respect. Et je reçois un coup de téléphone de l'agent grec que je filtrais comme jamais. J'avais refusé de lui adresser la parole. Et le lendemain, frérot, comme des bonhommes, C'est on la guerre. arrive. Hey, frérot! Non, mais des trucs sérieux. Là, tu vois, on en rigole et on va en rigoler. Là, les gens qui sont dans le live, ils sont pas prêts. Tous les jours, avant de partir de la baraque, on fait des snaps avec l'heure où on montre nos visages pour dire qu'on va bien, qu'on se rend au club et qu'on ne sait pas dans quel état on va revenir. Ah ouais. Ouais! Tu vois? On va là-bas, frérot. On arrive. Je toque. Il se tourne. Il y a deux, trois gars qui se tournent. Oh, Tidido! Parce que frère, il pensait pas que j'allais revenir. Parce qu'il me répondait jamais, tu vois? Ouais. Il me regarde, il dit, c'est qui lui? Et je dis, c'est mon agent. Frérot, le frérot,
costaud, habillé tout en noir, lunettes noires. Eh frérot, il dit oui, voilà, à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe des intérêts de Steven, tout ça, nana. Ouais, il est où l'autre agent? Eh, l'autre agent, il n'existe plus. On commence à discuter avec eux. On leur dit, non, it's okay. On commence à discuter avec eux. Ok, thank you. Le bras droit du président nous dit normal. Je lui dis, mais vous n'avez pas reçu les courriers en recommandé? Il me regarde normal. Ça, c'est les côtés noirs du foot. Bien sûr qu'on les a reçus. Ça veut dire, ouais, je les ai reçus, mais je ne voulais pas te répondre. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde Steve, je lui fais tuer, je le tape comme ça pour lui dire, tu vois avec qui on est tombé? On rentre à la maison. Je reçois un message de l'agent, l'autre agent. Ouais. What? You're in Larissa, t'es à Larissa. I come immediately to your house. Coucou ma princesse, ça va papa? Ok ma fille, papa il arrive, d'accord? Ok, tu fermes la porte pour papa s'il te plaît? Tiens, ferme la porte pour papa s'il te plaît. Oui, c'est ça, merci bébé. Des moments tendresse. Et donc l'agent il me dit ça, et comme immediately to your house. Et je dis, mais c'est un ouf lui. Entre-temps, on s'est mis d'accord, je sais pas comment. Steve, il a passé des coups de téléphone. Ah, on a eu le numéro du président. Steve, il appelle, ça décroche pas. Steve, il dit, hey, lui, c'est pas qui on est. Il appelle, il appelle, il appelle, il appelle, il appelle, il appelle, ça décroche. Ouais, je suis l'agent de Steven, naninana. On veut vous rencontrer par rapport à pour qu'on discute. Frérot, on était loin. Il nous a pris pour des enfants. Oui, papa. Ah, à tes souhaits. Il nous dit rendez-vous demain matin, 8h30 à Athènes. Frérot, Larissa, c'est là. Athènes, c'est là-bas, frère. Frérot, il est tard quand le mec il décroche. Le frérot, il me regarde. Tu vois, quand tu es au téléphone et du style, ça te va l'heure, si, ça. Je suis comme ça, tu sais. Tu vois? Il dit, ok, on vous voit demain. Frérot, on prend l'auto. On roule comme des fous furieux en Grèce. On est dans la voiture, on pleure. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait, mon vieux? On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, mais on est vraiment des oufs. Tac, on dort, tu vois. On dort, on est là, tac et tout. Mais là, tu connais, là, tu sais, la pression, elle commence à monter. Tu vois, je dis, frérot, c'est des oufs, je te jure, c'est des oufs. Il dit, t'inquiète pas, frérot. On va gérer le bail. T'inquiète pas. On va récupérer grave des sous. Moi, je te le dis. T'inquiète pas. J'ai dit, frérot, j'espère, mais c'est des ouf. On arrive là-bas. On est là en avance. Déjà, tu connais les Français qu'on est. On a été checker la veille, voir si c'était pas un endroit bourbier. Tu vois? Ouais, un Avant de traquenard. mettre. Voilà. Avant de mettre. Tu Ou à captes pas bien, Traquenard. frérot. Attends. Tu captes pas très bien. T'es en flou. Puis t'es en plus. Ouais, je t'entends bien, mais c'est la vidéo, elle est floue. Ah, attends, je vais aller dans. Attends, elles sont les filles, elles sont. Carrière. 2 secondes. Are you guys going to sleep now? Okay. No, I'm gonna go upstairs then. It's okay? Okay. Attends, frérot. Excusez-moi, parce que le vent là, il était en train de chatouiller ma gorge et c'est pas le moment que je tombe malade. Donc, t'as vérifié, c'était pas un traquenard. Non, on a vérifié, ouais, c'était pas un traquenard.
Attendez, je suis dans le noir. Ça y est. Et donc, on va dormir, on se réveille. Et là, tu vois, je lui reparle, je lui dis, hey, frérot, je te jure, gros, ça peut être un truc de ouf. Moi, je sais parce que j'ai déjà, tu sais, je les ai vus en fait pendant 6 mois, tu vois. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, frérot, et tout, ils vont nous faire quoi, ces mecs-là, tout ça, nanana. On arrive à l'endroit, un endroit magnifique, luxueux, lourd. Non, it's okay, no problem, it's fine. Even if she wants to come, she can. I will just. Ah, ok. On y va. On nous fait attendre dans une salle d'attente et tout. Il nous faut attendre longtemps, 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 longtemps. Nous, on s'énerve pas. On est prêt comme jamais. Petite vidéo Snapchat avant. Petit dictaphone. Tout clair. Ça y est, ils nous disent de venir. Là, on rentre. Et là, tu sais, c'est une concentration de ouf parce qu'en fait, je suis avec mon meilleur pote, tu vois. Faut pas rire. Et t'as compris, tu vois. Il est là, il parle et tout. Petit dossier. Ouais, voilà, président. J'ai compris que voilà, vous voulez vous séparer de Steven et tout. Mais à vos conditions, c'est pas possible, tu vois. Commence à regarder le frérot, lui dit. Vous êtes sûr, vous êtes agent? Il dit, bah oui, il dit, oh là là, vous êtes fit, hein, vous avez pas joué au football, vous? Il dit, non, non, j'ai pas joué au foot et tout. Non, non, je suis son agent. Il dit, ah ok, tout gentil au début, tout mielleux. Ça commence à rigoler, tiens, je suis soulagé. Oh, de la bombe, ça va bien se terminer. Frérot, quand on a Vas-y, reste une commencé. minute, reste une minute. Bon, bah. Quand on a commencé à donner les sommes et tout, commence à crier sur nous. Non, vas-y, vous êtes des fous. Sortez d'ici, nana. On rentre à l'hôtel, on monte dans la voiture, on pleure. Le frérot me dit, écoute, frérot, c'est des fous furieux. Quelle que soit la somme qu'ils te donnent, t'acceptes, on se tire de ce pays-là. Frérot, on s'est mis d'accord. Ils nous ont donné une somme. On a accepté. On est parti le surlendemain. Et jusqu'à aujourd'hui, on en rigole, tu vois. Parce que c'est des trucs, tu vois. C'est parce que c'est mon frère. Frérot, y a que des hommes en or qui font ça, frère. Tu vois, c'est pas donné. Le soutien de ton club formateur, tu vois. Tu as besoin de Important, c'est important ton de le club dire formateur. parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on attendait au niveau, on ne sait pas pourquoi ils sont pas sortis. Voilà, ça peut être ça peut être beaucoup de choses. Mais moi, je Mais pense que frérot, 80% des il y a beaucoup de... cas, Et c'est moi, ça. je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Il y a qui a dit ça il y a pas longtemps? Mais je crois que c'est Linel, je crois, si je dis pas de bêtises. La chance, frérot, c'est un facteur à ne pas jeter à la poubelle. C'est Linette. Je l'ai mis d'ailleurs. J'ai mis le passage dans. Lui, c'est vraiment une galère. On ne dira pas ce qu'il y avait marqué. Je vous invite à le lire tout seul. La chance, frérot. La chance, c'est important, tu vois. La chance, c'est important. T'sais, des fois, t'es là, il y a des mecs, ils sont. Allez, il y a des mecs, ils sont. Tu vois, il y en a qui sont déjà surclassés en CFA. Il y a des mecs, ils sont pas titulaires en 18 ans. La même semaine, les gars qui jouent à leur poste, tac-tac, blessure, tac-tac. Le mec, il passe de 18 ans à pro. T'sais, c'est juste pour faire un complément de numéro. Dans le match, il y a un carton jaune, un truc. Les mecs, ils démarrent comme ça, frérot. Et tu connais ces trucs-là, ça se termine toujours par un bail 88e. Oh, but du jeune! Il a le numéro 33. Non, non, non. Sa carrière, elle commence. Lui-même, tu le vois 10 ans après, il dit, mais gros, mais cette année-là, je vais me faire virer à la fin de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, frérot, c'est un truc de ouf. C'est un Il a truc de dit ouf. Matuidi à 3. Ouais, ça Ouais, c'est. ouais, ouais, ouais. Regarde maintenant, c'est Ouais. fini quoi. Mais moi, j'ai trop d'exemples comme Exactement. ça. Hein. Tu sais que j'ai trop Oh, il y a... d'exemples hein, de joueurs comme ça. Frérot, il y en a un million. Il y en a un million. C'est pour ça que ça... Tu sais, ça... Ça...